Chine, actuellement dominé par l'investissement dans le secteur minier pour élargir à d'autres secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables. En 2024-2025, lancé hier depuis Kimpc dans la province de Congo central par Judith Suminoa-Touluka, sur les engagements pris avec le banc syndical. Des morts à Makala après tentative d'évasion, certaines sont mortes balles et d'autres victimes pour étouffement. Voilà le bilan officiel du gouvernement. Bonjour et bienvenue à cette édition d'Arton à Beijing. En Chine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu hier un tête-à-tête avec son homologue chinois, le chef d'intérêt commun entre la Chine et la République démocratique du Congo, l'état de lieu des accords de partenariat à la situation sécuritaire à l'est de la RD était au menu des échanges pour le reportage. La rencontre entre le président Xi Jinping et son congolais Félix Antoine Tshisekedi. En prélude de sommet, le président Xi Jinping a organisé un paquet d'acteurs et d'événements bilatéraux pour les Africains. En focal, la RDC a eu le privilège d'ouvrir vos diplomatiques. Un moment d'échange d'une délégation pris par leur délégation respective. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Par la suite, réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit de la coopération qui est entre son pays et la RDC. De son côté, le président Tshisekedi a salué la mise historique des deux États basés sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes, renouvelant pour le diplomatique. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'engagement de la RDC envers la politique de Chine en reconnaissant Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC reconnaissante à la Chine pour le continu du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a eu l'occasion de cette mention du rééquilibrage en 2024 du compromis contre l'infrastructure conclu par la Chine. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le Premier ministre chinois Deng Xuanxing, qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping, Tshisekedi, délégation. On reste à Beijing, où cette ville accueille depuis la crise économique des objectifs. Ce fort explication avec Gaëtan Maganel. La plus grande question organisée, la matérialisation de l'économie 2023. Le chef de l'État et son homologue Xi Jinping avaient émis le souhait d'élever les relations. $20 milliards en RDC, c'est le qui est ce genre d'investissement. Alors, nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration. Ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur l'investissement. Voilà, le chef d'État voulait élever le niveau d'opération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations de la Chine
de ces produits, mais qu'on passe à la formation pour les donner une valeur. Par exemple, riche en opportunités de développement, la RDC et la République populaire de Chine ont convenu de promouvoir un partenariat stratégique en matière, ce qui explique que nombreuses des Congolais. Et de projets favoris structurés et des collaborations durables sino-congolaises. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre des Transports, Charbet. Le président de la République, ce lundi 2 septembre, RDC Chine fermera ses portes le mardi 3 septembre 2024 en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Membres du gouvernement, gouverneurs, responsables d'entreprises et d'autres participants à cette rencontre de Beijing estiment qu'il était important d'organiser cette rencontre. Donc, qui sont ça et Beijing au menu de présence des autorités congolaises si à Beijing, mais la grande question que l'opinion se pose, pourquoi forum la capacité économique n'a développé et pas la capacité de ressources de la RDC. Ah, il est essentiel que nous puissions avoir cette forme. On a organisé ce genre d'événements qui vont être mis en compte par rapport à ces forums pourront encore renforcer et les importations voir la coopération sinon plus de relations commerciales des attentes y exprimées par deux pour assister à cette grande messe. C'est une superbe occasion pour tisser, comme j'ai dit, des relations peuvent avancer dans le monde et pouvoir se battre de leur expertise pour pouvoir ici au niveau d'une coopération stratégique globale. Le président Xi Jinping et Félix Tshisekedi, les Congolaises à la base de la construction de plusieurs infrastructures à travers la RDC contribuant à la la Chine pour la République démocratique du Congo. Une nouvelle scolaire a été lancée officiellement par la première ministre Judith Suminwa Tuluka a indiqué que son gouvernement essaie d'améliorer la gratuité de l'enseignement de base. Elle rassure les enfants sur l'implication de son gouvernement de leur condition. Lycée 2024. Un grand rassemblement de classe, ces écoliers se prêtent à retrouver les belles classes avec enthousiasme. En itinérant dans la province, la première ministre a choisi cette école pour de la paix et souhaite une heureuse année à tous les républiques. Pas de rétropédalage pour la gratuité de l'enseignement de base, bien au contraire, le gouvernement soumis à l'amélioration de la. Nous avons besoin de jeunes. Nous sont notre avenir. Car sans jeunes, la RD ne survivra pas. Tant pour laquelle nous faisons le nécessaire avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'emploi continue et qu'on ajoute aussi à la qualité de l'enseignement. Cela, et vous, nous le savons tous, a la nécessité d'assurer que les enseignants soient dans des bonnes conditions de travail. Parce que c'est par là que vous avez fait. C'est grâce à cette éducation que
vous allez dire notre pays. La présence de la chef du gouvernement, titre le Premier ministre a remis aux enfants des fournitures scolaires pour les encourager à donner d'eux-mêmes. Avant de quitter le lieu, la première ministre a fait un tour des salles de classe pour se rassurer du démarrage des leçons. Elle a rassuré sur les précautions prises contre le MPOX. Elle a encouragé les enfants à donner annoncer officiellement la reprise effective de cette rentrée scolaire à l'Institut Tikunga dans la comédie Bumba et Samalou. Chers élèves, les parents et la nation tout entière croient en vous. Vous êtes l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. L'école, en dehors de la famille, demeure ce lieu où vous développerez pour devenir des hommes et des femmes utiles. Respect du bien commun, un Congo uni, fort, prospère, au cœur de la vie. Les enseignants soutiennent les parents et la chambre leur confie la responsabilité. Des priorités majeures du président de la République Félix Antoine la ministre et chef du gouvernement. La ministre équitable à une éducation de qualité pour tous afin que chaque enfant la ministre d'État d'avoir choisi CAPA comme lancement. Après go de la rentrée, la ministre d'État a par ailleurs visité la place. L'effet Bissa a ouvert ses prières il a rénové grâce à c'est ministre des Finances. L'Élysée Tonguissa et VC sa plus belle robe et des travaux des réfugiés 2021 à l'occasion de la rentrée 2021 rénovée symbolisant un nouveau départ pour les élèves, les enseignants et de la communauté. La ministre des Finances, ancienne élève du lycée Thomas, a tenu un cliquet personnellement emblématique soit formée afin d'offrir un moderne, sécurisé et propre à l'apprentissage. Ces travaux ont consisté à la réfection de salles de classe, la réhabilitation des structures, la construction des nouvelles latrines, la bibliothèque moderne, les rafraîchissements de la structure des lycées, abritant trois bureaux administratifs, un total de plus de 40 bâtiments. De travaux ambitieux pour une école d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La direction de l'institution et les corps professoraux, par les biais de M. Vundika Vundika Benoît, attitude à la présidente de l'ONG pour les parents. Entend Dr. Foy Lunga a remercié la ministre des Finances. L'occasion faisant la rond, il nous soumet à l'ancien du lycée Tobongista, son excellence, Madame Monet-Jean-Pierre. Pour les élèves du lycée Bungisa, les vœux formulés par Madame Monet Sélé. Il faut travailler, il y a un autre secteur pour la réussite. Il faut se fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, se donner les moyens de les atteindre. Pour la présidente de l'ICDED, ces rénovations de ce vœu, elle a été
et développement. Notons que ces travaux de réfection NGCDED qui emploie plus de 150 qualifiés avec pour objectif de moderniser substantiellement les infrastructures de l'école tout en préservant l'âme de celle-ci. La qualité de l'enseignement est une priorité tout en adapté au temps. La présidente de NGCDED lance Madame Monet de l'institution. Malheureux, la réunion a été convoquée bien avant de mettre la lumière sur la situation. À 4h du matin, c'est lundi, à la le vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani, a tenu à faire l'évaluation des dégâts causés de cette tragédie survenue dans le centre pénitentiaire des si c'est l'occasion de tous les services de national qui ont réagi et ont pu tenir cette situation d'une évasion. La sécurité pour c'est l'opinion. Il faut dire qu'il y a quand même des pertes en blessés et sur les cas matériels au niveau de la prison. Donc ce sont des situations que nous sommes à suivre en urgence. Ils vont nous permettre d'avoir un bilan assez. Était présent dans la réunion les responsables des forces armées du démocratique du Congo, de la police, du vice-gouverneur de la ville, toutes les parties prenant la sécurisation des personnes et leurs biens. Après la cour de cassation et mission au parquet de la cour de Kinshasa, Gombe, les raisons de cette mission avec Yvette Ma dans ce reportage. Le but est de redorer confiance en la justice en rassurant les justiciables dans l'action du ministère public porté par le parquet général après la protection. Lancée par le procureur général, la Cour des cassations fait œuvre des membres en dédiés au parquet général de la Cour d'appel. Va consister à l'examen de chaque dossier et à l'acte posé par le magistrat ministre de la Justice. Les magistrats du parquet, j'ai appelé la Cour de cassation, sont venus ici. C'est prévu par le texte pour dire bien justiciable par la justice. Les exemplaires sont prévus à l'encontre des magistrats qui se verront ramés à contre-courant la discipline en soirée. Les magistrats qui sont venus, c'est dans le cadre discipliné au départ. L'action va compte en comble, dossier, dossier, selon le respect dû aux lois de la République et aussi à mes circulaires. Les magistrats, les offices inférieurs, les offices qui seront entre guillemets la même, c'est-à-dire en dehors de mes actions, de mes circulaires, et donc, se verra naturellement, se verra appliquer la loi. Les conclusions de cette inspection qui répond aux vœux exprimés par le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo pour une justice équitable, ont rendu public à l'issue de la porte ouverte qui sera organisée le week-end prochain. Le ministre Daniel Mokoko a appelé Go et les autres secteurs pétrolier les mesures d'avant dictées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi-Tshilombo.
direction générale des douanes et accises menace de suspendre la livraison des colliers à certaines suite au non-paiement des taxes fiscales et parafiscales pour planir les divergences au sujet du paiement de fiscalité. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a réuni le secteur et en vue d'éviter la rupture des stocks, étant donné que la DGDA avait annoncé cette suspension des livraisons de sociétés pétrolières non à règle avec ses droits de douane. Daniel Roma, qui est le chef de l'État et du financement du secteur pétrolier, a réussi à calmer les esprits. Le directeur général de Congo, Joseph Kwame, reconnaît clairement que la situation a été critique et qu'il n'y a rien à craindre. Ces pétants devaient la pierre angulaire des approvisionnements des hydrocarbures. Si ça arrête, tout s'arrête. Son le vice-président de l'économie a bien clarifié les choses et leur aucun. Une solution a été trouvée. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuyé, parle qu'il s'agit d'un dialogue. Le fait que avec l'opinion de son premier ministre, le ministre de l'économie nationale, a voulu réunir tout le monde autour de la table pour trouver des solutions idoines. En ce qui concerne les pertes et manques à gagner, le ministre assuré pétrolier travaille d'arrache-pied pour l'issue définitive trouvée afin de sauver la trésorerie de la profession pétrolière. Ceux qui ont en charge la question du genre familial font la dit au Congo central dans le cadre d'Europe qui vise à promouvoir la dépose des droits des familles et enfants. Atterrer l'investissement sur la promotion du genre de familles et enfants est le thème exploité à l'heure. Ministre du genre, famille et enfants, assister à ce grand événement pour objectif de permettre une coordination des actions et projets de genre. Nous voulons marquer notre mandat genre de la famille des enfants et enfin d'avoir. Pour la forme de violence, aussi autour de la mise en œuvre de la position de la base positive sur le plan national. Prévu le jeudi 4 septembre, Denis Adolo, ministre du genre, famille et enfants, de remercier le gouvernement ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers, entre autres l'ONU Femmes, partenaires filles, qui sont toujours actifs pour des acquis de ce ministère. Notons que la ministre provinciale du famille et enfants, Carole Kiatazabo, a représenté le nord de province. Les bus Trans Academia seront employés en province de la Tchouk. Le gouvernement de Trans Academia s'est mis d'accord à l'adhésion de la Tchouk. La rentrée armique 2024-2025 en République démocratique s'est vue plus que rassurant pour les étudiants intérieurs du pays grâce à l'initiative du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. Programme déclenché par le directeur général des Académias, Georges Onguelodonga, assisté du général adjoint José Makengo, en exécution d'instruction du vice-premier ministre en faveur du déploiement du le transport confortable des étudiants en place. Après le Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord-Kivu, où le directeur général Onguelo a son itinéraire, c'est pour la Tchouk
a adhéré par son gouverneur Lelendo qui a ça le staff Academia. On avait une séance de travail avec le directeur pour concrétiser l'ouest du chef d'État qui voudrait voir dans de bonnes conditions. Et nous avons réfléchi comment est-ce que nous pouvons implémenter cette conférence de la Tchouba. J'ai des bons échanges de la Tchouba qui viennent. L'autorité provinciale de la Tchopo, dont les étudiants attendent fermement les bus, leur a lancé l'appel au civisme et au sens de responsabilité pour l'acquisition effective des étudiants. Les sapeurs-pompiers étaient précisément au ministère de l'Intérieur pour une démocratie de leur service. Un entretien avec le patron d'exposer les problèmes liés à ce service de l'État. Pour mettre fin à la multiplication au cas de la capitale et en revanche, la direction des secours et des soins entretient avec le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et particulière, maître Jacques Chabani lors de la supervision nationale de sa part, Oscar Otunjeko. Il y a des cas d'ainsi à répétition sur toute l'entente de la République. Et nous avons jugé bon, nous pouvons d'abord solliciter que nous avons des preuves concrètes à donner par rapport à des sanctions. Félix Sanchez-Seke de Chilombo. J'avais dit que c'est grâce à lui que nous avons une direction générale de secours et d'incendie, mais qui n'est pas opérationnel du terrain. Donc, c'est mettre la même direction de la police. À travers les médias, de s'impliquer pour que le dossier de la DG. Les soldats furent en et les animateurs afin de rendre service à la nation congolaise. Le des partis politiques à présent, le secrétaire général de l'UDP, Kabuya, a eu une causerie morale avec les présectionnaires. Plein attaqué qui a accueilli cette rencontre de réarmement moral. Les présidents sectionnaires ont laissé leur attachement au respect des territoires de leur parti. C'est dans ce cadre que ces gestionnaires du parti à la base se sont mobilisés massivement autour de leur secrétaire général honorable Augustin Kabuya pour réaliser les orientations à rapport avec la situation qui prévaut au parti. Et nous voulons leur confiance et Félix Sekedi. Le président intérim de l'UDP à la restitution de la situation inaugurale de la démocratie du parti et après la non-violence comme les prônes des partis de Tchétchiki avant de créer la réalité à leur charge sous les menaces de son parti par les frondeurs. Jusqu'à l'œuvre du contraire, les responsables reconnus des PES qui peuvent l'engager dans les terres et qui sont l'autorité des référents, c'est Augustin Kabuya qu'il fait savoir. Devant la danse surchauffée, Augustin Kabuya a précisé qu'aucune disposition statutaire ne confère à la nommée ni de un secrétaire général. A été fait le secrétaire général du président intermère invite les donneurs du parti à l'âge de ne pas céder à la population ni à la provocation des pierres à nos troubles, mais de rester vigilants car les ennemis massivement la route à l'écoute pour répondre chaque fois que l'essai du parti est la cible des imposteurs.
un congrès extraordinaire, son autorité morale, modeste, bâti, loué beau, était sortie médiatique de toutes les fédérations, des différentes ligues du parti AFDCA, ainsi que cadres et militants à haute et sortit son silence. Face à la presse nationale et internationale, Modi a invité ses camarades du parti à faire confiance à Chilombo, car lui seul connaît à quel moment il agira. En politique, la passion c'est une tue. Modeste au terme. Une question de la guerre d'agression nous imposait à l'Est du pays, la FDCA se range derrière le chef de l'État pour n'est plus rapide possible à l'Est du pays sur le territoire national. Le FDCA a dit non sans hommage à la justice, à la marginalisation et acharnement politique, réclamant au fort la véritable place de son parti dans les institutions de la République. Vous avez suivi dans la République, le chef de l'État séjourne à Beijing dans le cadre du forum économique RDC veut un partenariat entre les pays actuels dominés par la suivre le lancement de la 2024-2020 par le Premier ministre chinois qui rassure par l'occasion les enseignants sur les engagements pris avec le banc syndical. Et bien, dans l'actualité aussi, des morts à la tentative d'évasion. Certaines personnes sont mortes par balle et d'autres victimes par bousculade et Jonathan Moubalama, la partie qui a été assurée, Henri. Merci de l'avoir suivi. Prenez-vous